de la terre rouge filtrée, une petite quantité de ciment ainsi que de l'eau. Le tout compressé dans cette machine et séché pendant 2 semaines. Voici les étapes nécessaires à la fabrication des blocs de terre comprimés et stabilisés BTCS. OL International a fait de la construction verte à son cheval de bataille. La population doit être informée qu'il y a une solution aujourd'hui pour répondre à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Pourquoi la population doit se tourner vers ces matériaux? À l'intérieur de ces maisons, vous économisez jusqu'à 80% d'énergie. Donc, avoir des économies sur vos factures d'électricité, avoir de l'économie sur la gestion même de votre santé, parce que vous avez le bien-être en dormant dans une maison écologique. Ces blocs permettent de bâtir des habitats écologiques, économiques, durables, anti-balistiques, isothermiques et coupe-feu, tout en luttant contre le réchauffement climatique. Leur adoption ouvre également des opportunités d'emploi pour les jeunes, en favorisant le développement de leurs compétences. On voit les gens qui souffrent à l'ère des Jeux Olympiques 2024. C'est très difficile, ils dorment dehors et tout. Voilà une opportunité, je vais aller les chercher et ils vont venir travailler. Et ceux qui veulent partir pour éviter de prendre la mer, pour éviter de gâcher leur vie, il y a du travail. Je suis très heureuse de participer à cela. Alors, pour plus d'économie et plus d'écologie, on pourrait rajouter à cela des installations solaires qui se font avec des panneaux solaires, des batteries, des convertisseurs et tout ça, qui vous produisent l'électricité à moindre coût. Une fois que ce dispositif est installé, vous ne dépensez plus rien. Avec plus de 10 années d'expérience, OL International est spécialisé dans la construction, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité électronique et la promotion immobilière.